Oh non. Ah, il lui rentre dedans. Ah. Ah. I'm Hoppy Hopscotch. Wanna try hopping to the moon with me? Jusqu'à la lune, avec moi? Oh. All three with me. Again. One, two, three. Nope. Nope. Still didn't make it. Listen, this won't stop until we make it to the moon. Oh, petit lapin, hein? One, two. No, no! Don't look at your feet. None of that matters. Again, again. Hein? Dommage, pas de décapitation pour l'ange. Pour l'ange pleureur. Oui, bah oui, mais. Et yo, Yumitsuki! A few moments later. Là, le début était très calme, il se passait pas grand chose, on a vite fait croiser Catnap. Et là, on est tombé sur un truc là, mais laisse tomber, c'était. What? Ah, cassette rouge. Cassette orange, où est-ce qu'elle peut être cette connasse? Cassette orange. Elle est là. Allez. Je me décale. Aïe. Il est là. You stupid clunky elevator. What was that, Richie? Nothing, nothing. On a juste coupé une cassette que j'ai pas eu, c'est la cassette jaune. Hein. Et yo Amiral Bisco, comment ça va? Encore Richie, ouais, je crois. Hein. Et toi, bah ça va nickel. On se chie dessus. Never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that? Tiens, la plus pipi du gouffre. Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the rich I know. C'est moi ou c'est la main de Proto? Alors je suis pas sûr, je crois que c'est la main de Catnap, non? My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie. With my retirement coming up, tout le monde they've been pushing hard for me to choose my replacement. Ah ouais, peut-être. Ah ouais, ah ouais, je pense que c'est la main de Catnap, ça. Giving the role to you. Really? Really? Tu peux le faire. Nothing official yet, but I think there's a decent guy beneath all that graph. Le game design me fait trop penser à fan footage. Ouais, c'est exactement ça. You prove me right. I said your chances are pretty good. Wow, I, geez, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Not everybody. Okay. Il faut savoir aussi d'ailleurs que dans les paramètres, je voulais pas montrer en début de live. Vous pouvez mettre un effet gain de pellicule avec un flou cinétique. Et si on combine les deux, je l'enlèverai après, hein, ça donne ceci. Ça donne un effet, vous voyez, un peu plus footage, tu vois, un peu plus... C'est pas mal d'ailleurs l'effet que ça donne. J'aurais pu le mettre depuis le début en vrai. Oh, c'est beau, c'est pas mal. Mais du coup, je vais rester comme au début pour éviter de faire un mauvais cut. Là, en fait, on a le jeu comme s'il était au départ normal, quoi. C'est l'effet est très léger au final. C'est quoi ces installations de malades sous une école avec une ou des anges pleureurs dans une mini fausse ville de dôme? Je sais pas. Oh god. Là, l'effet est enlevé, hein, mais c'est très léger en vrai. Ah. Qu'est-ce que j'entends? Ah, c'est ça. Hop là. Je te remonte. Pas des trucs cachés là? Non. C'est moi ou ta main s'est transformée en gun? Oui. Je sais pas à quoi ça va servir, mais apparemment j'ai un gun. Tu vois, en fait j'ai ma main électrique, enfin ma main que je peux utiliser pour l'électricité, j'ai ma main pour jump, et maintenant j'ai cette main qui me permet de faire ça. Je sais pas pourquoi, mais
Donc la main violette, c'est pour sauter. C'est ça. Si t'as le gun, c'est que c'est encore, comme dans le trailer, je crois, savoir ce qui nous attend. Bonne chance, Tommy. Non, je pense que là, on va jouer avec la lumière. Ça fait de la lumière, surtout. Ok. Là, il y a besoin de ma main verte. Ça veut dire que j'ai besoin d'électricité. Par contre, je vois, voilà, strictement rien, j'avais dit. Rappelle-toi, la lumière est ton allié. Piou piou. Bon, attends. Ah, je reprends là. Attends, dis ta mère. Tombe bien, le gun. Ah, ça garde l'électricité. Le gun fait de la lumière. Non, mais oui, c'est ça. Hein. On va faire un Poppy of Duty. Poppy of Duty, what the fuck. Donc. Il me semble que le sous-titre du chapitre c'était Deep Sleep, donc sommeil profond, ça annonce un peu la couleur. Je veux juste vérifier un truc, si je fais ça, et je le change. On est d'accord, ça la désactive, yes. C'est bien ce qui me semblait. Ah mais attends, mais je vois rien là en fait. Ah d'accord. C'est à ça que la lumière va servir. En tout cas, sympa ce système de changement de main. Non oui, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Hein. Ah attends, quoi? Oh putain. Il y a une autre entrée à droite. Tire le pistolet en haut. Ah, vous avez vu des choses, vous? Moi, j'ai rien vu. Attends, je vais voir. En l'air? Ah. Ah, mais là-haut, il y a des trucs encore. Oh là là. Genre, littéralement à côté. Suis le câble. Ok. J'ai cru. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. T'as peut-être un début de piste. T'as le panneau électrique ouvert. Putain mais je suis un connard, t'as tellement raison. Je suis un putain d'abruti. Et là il y a le câble là-haut. Ah mais après faut que je fasse quoi? Faut que je remonte. Ok. Mais quoi? Non, comment tu peux survivre à la chute du saut main? Je sais pas. J'avoue que la chute elle est violente hein, quand même. Non par contre là j'ai pas compris, genre j'avais une plateforme à droite non pour que je passe. Bon, à mon avis il faut que je fasse demi-tour. Non, pas par là, clairement pas. Là le jeu il m'a clairement chié à la gueule, il m'a dit non non non. Tu vas pas par là, non non pas par là, non non. Tonic, oula. Tonic. J'ai cru que c'était la porte pistolet. Je pense qu'on passe par cette porte en fait. Et en fait, c'est la porte de secours. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut que je fasse ça. Et là, je repasse par là. Et je sais pas. Il y a une plateforme en haut, non? Bah ouais, mais comment j'y vais? Comment j'y vais là-dedans? Sol. Oh ta mère. Oh ta mère. Mais d'accord, mais faut enchaîner des trucs genre à la va-vite là. Donc là je fais ça. Je tombe. Ok. Ensuite, là. Ok. Ensuite, je tombe. Ok. Ensuite, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. Oh c'est chiant. En plus c'est le genre de truc je suis sûr. Non je me suis foiré. Bon bah je redescends. Putain nique ta mère. Ça voilà c'est le genre de truc voyez. En galérant comme un galérien. Comme je viens de le faire. Ça va être à pleurer. Oh putain bah voilà ça commence déjà très bien. En fait je suis vite désorienté là. C'est un truc de malade. Alors que j'ai juste à suivre la main en fait où est-ce qu'elle est dirigée.
ou pas. Va te faire foutre le jeu. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Pff, oh la vache. Le jeu qui veut la mort des joueurs, mais tellement. Bah après c'est pas pipé time. Hein. En vrai ça m'étonne même pas. Sauvegarde. Ouh. Ok. Qu'est-ce qui c'est qui c'est ça encore? Oh là là. Oh là là, ça a l'air bien compliqué tout ça, les gars. Ouh, je m'en mets en place. Attends, lui va où? Ok, lui va là-bas. C'est le drapeau Mario, on pourrait croire. Hein. Attends, mais what? Ok, ça c'est ça. Lui là. Je pense qu'il doit aller là. Adieu les derniers neurones de Tommy, il en avait déjà pas beaucoup. Oui, non, bah, là, clairement je vais devenir complètement teubé ce soir. On l'a clairement pas. Toi tu vas aller ici. Ok, et toi tu vas aller ici. Ok. Maintenant faut que je retourne au canon. Voilà. Ça sera pas nouveau, comment ça Sunger? Je te zut Sunger. Ça a bugué? Ah non c'est bon, let's go. Let's go c'est good. Y'a pas tort, hey, en attendant je l'ai one shot votre puzzle hein, alors arrêtez. C'est quoi ce bruit? Il était pas dur, hein? Bande de rageux. Je suis censé faire quoi là? À part juste me bloquer bêtement là. Faut que j'aille là? Pas du tout! Je vais niquer ma mère, voilà, j'en ai marre. Putain! Mais les mecs, ils te foutent des faux plans aussi, là. Quoi? Oh, yes! Ah, ça, c'est gentil, par contre. Par contre, c'est gentil, mais je dois aller où? Ta pauvre maman. Par contre, je comprends pas, en fait, ce que j'ai fait. T'as dû louper un levier? Non, 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 regarde, c'est arrivé jusqu'au bout. C'est arrivé à terme, donc c'est bon. Mais... qu'est-ce que je suis censé y faire? Tu vois, ça a activé le courant qui va là. Maintenant, je sais pas du tout ce que je suis censé faire, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ça va là, ça va jusque là-bas, et hop, ça redescend, et ça va jusqu'au bout. Mais c'est censé. Il y a un truc qui va pas ici. Vous voyez, lui, il est plus actif bleu là. Il y a un truc qui va pas ici. Normalement, lui, il est censé être actif bleu. Pourquoi il est pas actif bleu, lui? Mais si en fait. Il s'allume. Je comprends rien. Il s'allume, mais l'autre il s'allume rouge. Pourquoi il s'allume rouge l'autre là-bas? Là-haut ça a ouvert un truc, mais je comprends pas.
Là, je comprends pas. Vraiment, là je pige pas. À moins qu'il faille que j'aille là-haut, mais... Il n'y a rien, quoi. J'ai, je crois, en théorie. Alors, dis-moi si tu veux, Dragon. Si jamais tu l'as éventuellement. C'est simple. Mais là, pour le coup, moi, je l'ai pas. Désactive-le de là où tu es. Non. Non, c'est pas ça quand même. Deux. Oh non. Pourquoi il y a qu'à moi que ça arrive ces trucs là, hein? Quelqu'un peut me dire pourquoi ça m'arrive qu'à moi ça? Tommy, grande intelligence. Mais moi je croyais que le truc allait monter moi. Je pensais pas que ça allait descendre. Putain! Ah mais c'est qu'à moi que ça arrive ça, j'en ai marre. Non mais oui bon bah... Merde hein. On recommence. Ah, on recommence tout. Voilà, voilà, voilà. On recommence tout. On recommence tout, ok? Tout. 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 Ça va que je me souviens de tout. Courage, Bibi. Je pense qu'après ce chapitre-là, ce parti-là du jeu, je vais aller me coucher. Hein. Je pense que c'est important. Je suis en train de craquer. Oh la vache. Pareil, c'est logique qu'il allait descendre. Bah, j'aimerais t'y voir à ma place, hein, Majo. Hein. Dis donc. Facile de critiquer quand on n'a pas le jeu en main. Ok. Au moins, c'est rapide. Et il remettait en doute ce que je disais il y a 5 minutes. Eh, ça va, hein. Putain. Repose-toi, Timotomy, sinon je te bonque. Hein. Tu n'oserais pas. Ok, maintenant que j'ai capté. Putain. Putain de merde. Oh, le saut qu'il a pas pris, là, c'est bon, là. Du coup, je vais me mettre bêtement là et je vais dire oh vas-y Conk a baissé le levier. Voilà, Conk a abaissé le levier. N'oserais pas, are you sure about that? Oh putain, yes, enfin je suis en haut. J'aime bien ce genre de bruit là, c'est très rassurant. Oh, c'est quoi ça? Oh, mais c'est Catnap! Avec tous les jouets morts? Ah, plus Catnap! Ah, plus Catnap! Ah mais il y a ses potes. C'est tous ses potes ça en fait ça. Et il y a le chien aussi là-haut. Et il y a Momie l'anglais là-bas sur la gauche, on la voit là. Oh lolo. Oh non, un rite satanique. Très rassurant tout ça. Oh comme je le sens pas c'était... Playhouse. La maison du jeu. J'ai peur de... J'ai peur de mon quoi? De mon tir? Ah, de mon tir? Genre le pipiou? Ok. J'ai fait un clip mais ça a pas pris le bon truc. Je le sais. Oh, t'inquiète, y'a pas de soucis, je regarderai ce que t'as voulu prendre. Oh, le changement d'ambiance visuelle là d'un coup.
ta mère. Oh, nique ta mère. Oh, ta... Oh. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Ah, t'inquiète, c'est juste le bug de l'ascenseur. Hein? C'est ciao. C'est surtout bien présent, là. Je suis censé trouver une cassette, je crois, mais je sais pas où elle est. I love you to the moon and I'm crazy about you. I'm lost without you. I've been lost a long time. Please, take me with you this time. You won't leave me, will you? Hi, I'm Bobby Bearhug. Okay. Wanna know how much I love you? C'est quelle cassette, je vois pas. Une cassette rose. On va bien la trouver. Laisse-moi l'adopter. Hein. Oh, ça pue, ça pue. Oh, aïe, 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 ça pue. Ta mère. Casse-toi, démon. Il faut arrêter, hein. Putain. Putain, ils sont flippants sa mère, là. Casse-toi! Mais il y en a de plus en plus! Oh sa mère! Oh sa mère! Oh sa mère! Oh sa mère! Ah! Je pense qu'on est dans une impasse. Je sais pas vous. Hein. Ah, des rétros satanas, ah bah là ils sont horribles. Parez-vous! Putain, vite, vite, vite. C'est ici ou pas? Ah bah y'a une exit là, c'est ça? Mais je reviens en arrière là, non? Plus je suis les gars. Elle va se faire raquette par des petits oursons. Putain. Il était si proche ce connard. Évidemment c'est pas là. Oui. Sauvegarde. Comment ça, Dibidi? Nope. Ça, ils sont partout. C'est malaisant. Oh là là. Oh que c'est malaisant. La bonne vieille sauvegarde du futur. Hein. Oh mon merde. Oh putain, il saute en plus, ces salauds. Psst. Psst. Putain. Casse-toi. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Qui que tu sois, tu m'as pas fait peur. Bon, j'ai atteint un truc, mais... Oh là là. Mais non, mais me passe pas dessus, tocard.
cru que c'était dans le jeu. Ça m'a réveillé. Non, c'était pas dans le jeu, heureusement. J'avoue que ça m'a fait bader aussi. Ah! Il fait manger le visage. Ah, Wingardium Leviosa. Oh putain, c'est dur ce passage un peu là. Je comprends pas où je dois aller. Bon, un bisou. Ouais. Super le bisou. J'emmerde le bisou. Ah, mais direct. Ils font trop peur, putain, ces enculés. Oh. Eh, ils sont malaisants, hein, ces connards là. Waouh. Culé. Sauve-toi, ouais. Oh putain, d'accord, faut que je fasse ça. Ouais, je sais pas où ils sont. Non ! Ta mère ! Putain ! Franchement, perso, je les aurais pris et arraché leur tête. Bah... Après, tu sais pas quelle force ils ont, hein. Ils ont peut-être une force décuplée, ces enculés. Hein. Je vous avoue que j'essaie de... Wow, je vais m'en prendre un. Ta gueule! Ah, ça m'a gardé l'autre. Ok. Ok, il y a le bouton du milieu maintenant. Oh, rejoigne, il m'a fait peur. Le jeu qui laisse pas le temps de réfléchir. Bah clairement pas, hein. Je suis complètement envahi de petites créatures là. J'ai sursauté. Ah mais ils prennent par surprise ces connards, hein. Quand tu sautes, t'as 5 sur le visage, ils te déchirent les membres avant de... tu ne sentes la douleur, ouais, je crois. Hein. Je sais même pas par où faut que je passe. Oh non. Le Keblo. Non, c'est bon. Je vois où je suis, après faut que j'aille là. Ok, là faut que je passe. Merde! Oh putain. Pareil, j'ai eu peur. Putain, c'est dur un peu là. Bon, après ils m'ont sauvegardé un bouton, ça c'est bien. Il faut que je fasse le deuxième quoi. Aïe aïe aïe. Bon, je préviens, je finis l'école et après je m'arrête, hein, parce que là il commence à faire bien tard. Merde, Keblo. J'essaye un peu de speed le jeu là, mais... Ouais, non, évidemment. Casse-toi. M'emmerder! Je pars là, vite! Jamais été aussi près d'avoir fini. Barre-toi, ouais. Pourquoi ça marche pas? Putain, je l'ai activé ton putain de bouton là! Oh, je comprends pas, ça me saoule. Ah mais faut que je le fasse d'en haut peut-être. Évidemment c'est fermé.
censé faire comment là d'ici? Ah, faut que je fasse de là. Putain. J'ai vraiment l'impression qu'ils font un bruit de Pokémon des fois. Pff. Tu peux pas l'atteindre avec les mains? Non, je peux pas. Pousse le cube dessus. Ah, il y a des cubes à pousser dessus? Ah non, j'avais pas vu. Presque, oui. Faut rester dessus, je crois. Oh non, c'est relou à ce point. Attends, je vais zioter. Il a peut-être raison pour le cube. Ouais, je crois que t'as raison pour le cube. Hein. Saloperie! Saloperie! Putain. Vous voyez où le cube? Ah, ce cube! Cassez-vous, putain! Au secours! Attendez, au secours! Je vois même pas quelle direction je dois prendre en fait. Ah, ça c'est là. Allez! Mais des. Putain! Ok. Activé. Pourquoi ça prend pas? Pourquoi ça prend pas? Putain, que chier. Il y a R2. Putain. Message quand tu mets en matrix, vraiment, ça me fait un peu penser à Bendy. L'un des boutons n'a pas de cube. Ouais, mais putain. D'avoir un autre cube à poser. Ouais, je pense, ouais, mais putain, relou. Ah ouais, défi, ils m'en mettent un sur la gueule. J'ai rien le temps de faire, je suis déjà sur un truc sur la gueule. En fait, faut que je passe par là. Sauf que moi, je gruge un petit peu. Je l'avoue, je gruge un petit peu, je passe par là. Culé. Ok, c'est celui-là. L'autre, il est posé. Yes, ils ont gardé l'autre, ça c'est bien. Casse-toi. Toi aussi. C'est super flippant ces trucs là. Oh. J'aurais peut-être dû rester dessus, non? D'accord, faut que je reste dessus. Allez, on est parti. Sa race, putain. Quoi? Ah, je crois que je suis pas censé être là en fait. J'arrive pas à savoir si c'est les vrais souriants ou si c'est leur version mini. Je pense que ça c'est les vrais. Et Catnap en fait il a pété un plomb. En bas. Oui, non mais clairement hein, le jeu il avait pas prévu que je monte en haut. Y a pas de place pour toi ici. Yo les canards. Ça sent l'arène un peu effrayante, tu vois là, je suis pas bien. Piscine. Genre tissu, ça prend pas feu, j'aimerais bien. Putain.
pas si j'étais censé trouver ça, mais j'y suis. Oh, c'est mignon. C'est quoi ici? On est pas dans le level des backrooms. Ça aurait pu, hein. Ok, bah je sais pas ce que c'était. C'était une ancienne cellule, apparemment. Oh non, les canards d'un jeu d'horreur version Pac-Man. Les canards Dark Deception. Oh! C'est le chien. Wow, c'est flippant. Dernier souriant vivant. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Oh non. Just go. Oh, il est en dedans. Ah. Ok, il devient méchant quand il a les trucs dans le cul. Ok, faut retenir ça les gars. J'avais pas prévu ça moi. Ok, il va y avoir une chaise avec lui là. Oh putain, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ah, bon bah on est reparti hein. Waouh, bouffé de l'intérieur. C'est même pire que ça, c'est, ils prennent son contrôle en fait. Il a dit qu'il rentre sous la peau, oui. Ça doit être terrible en vrai ce qu'il vit lui. Allez, on est reparti. Oh putain, ça reprend direct. Ah oui, mais run où? Run où? Oui, il est horrible quand il se fait bouger. Mais je vais où? Run, mais où? Toutes les portes sont fermées. C'est métal, hein. Non, par contre, je comprends pas, hein. C'est vraiment, là, je comprends pas. Il veut que je run, mais je vais où? C'est pas un peu ce qu'ils t'ont fait quand ils t'ont tué? Je pense que oui. J'avoue que là, bah ouais, je comprends pas où je dois aller en fait. Il me dit run, mais run où? Je peux aller nulle part en fait. Genre là, je rentre et en fait, toutes les portes se ferment dans mon cul. Mais tu vois, là, il y a un trou là, mais je fais comment? Je fais comment là? Ce chapitre est génial. Le chapitre est vraiment très très bon. Mais par contre là, j'avoue que j'ai pas le temps de réfléchir. Je sais pas où je dois aller. Il a une tortue, une torture médiévale où il place des rats à l'intérieur d'un seau. Le colle contre la poitrine d'un prisonnier et met le feu au bout. Le rat n'a qu'un seul choix pour s'échapper des flammes. Il creuse. Ouais, non, ouais, je la connais. La torture là, je la connais. On avait étudié ça pendant un cours d'histoire à l'école, au lycée. Non, l'histoire de l'art, c'était à la fac, c'était pas au lycée. Au lycée, c'était peut-être un peu trop violent. Mais c'était très violent ce que j'ai vu hein, sur les tortures médiévales, c'était... Bouh.
T'inquiète, je crois qu'il y a un trou dans la cellule ouverte. Il y a un trou dans la cellule ouverte. Là, en face, là. Ah, moi je vois zéro trou hein les gars, c'est... Non mais c'est aberrant là. Non je comprends pas hein. Faut faire tomber les planches. Ah ouais mais je fais comment? C'est moi en fait je pensais qu'avec son poids ça faut casser les planches je crois peut-être avec une fusée. Une fusée? Non si, ça serait assez puissant ça. Je suis pas sûr hein. On va essayer, hein. Cours et saute dessus avec ton poids. Ouais, on va essayer des trucs, hein, mais... J'y ai pensé, mais rien que d'être dessus, normalement, ça devrait le faire, mais ça le fait pas. Tire-lui dessus. Le chien? Non, si je tire dessus, il s'en bat les couilles. La main pour sauter. Bon, attends, déjà, on va activer la cinématique. Ouais non hein. Il y a absolument rien qui me dit que ça va s'ouvrir hein. Oh what? Mais c'est maintenant que ça marche cette merde. Je suis bloqué. Oh 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 oh. C'était un bug. C'était un bug. Oh il va si vite. Oh oh ta mère. Ouah. Ah, on a eu le screamer à retardement. Waouh, d'accord, bon, là, quand la séquence marche, c'est mieux quand même. Il y a quelques petits bugs hein, quand même, mais ça va. Personne ne doit partir. Ah, j'ai chaud. J'ai terriblement chaud. Allez, on repart d'avant, je suppose. Coupé en deux, il court si vite. Non, mais... Allô? Ok. Il y a eu un ralentissement de mort. Ok. S'il vous plaît, merci. Ah, il y en a aussi des petits. Oh mon dieu, mais oui, 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 non, il faut en bref. C'est comme Mommy en fait. C'est exactement comme Mommy. Il faut pas se foirer en fait. Ça va être du die hard. Hein. Ça va être du die and retry, les gars. No! Oh non! Please, just go! Là maintenant qu'il m'a dit run. Allez, 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 stop, stop, stop. Ok. Putain, ta mère. Là. Vite. J'aime pas. J'ai peur. Des petits bruits. Wow. Où ça? Là. Wow. Au milieu. Wow. Putain, ta mère. Par là. Ah non, merde. Tu meurs trop, le jeu lag. Par contre, t'as pas le temps de réfléchir hein, dans le jeu là. Eh, dis-moi qu'ils vont sauvegarder quand même, là, c'est pas possible. Je vais pas reprendre la séquence depuis le début. Si. Ah si. Ah, nique ta mère. Oh putain. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long, sa race. Ça va être long, sa race, les gars. On est là jusqu'à demain. Oh la mère. Courage pour Nyama. Ah, clairement, oui. Nyama, elle va en chier. Ma chérie, elle va en chier aussi, hein, comme moi. Hein. Ça va être pareil. On se connaît tous les deux, ça va être tout pareil. Non! Regardez, on voit son cul. Ah, ça lui rentre dans l'œil et tout, c'est dégueu. Allez. Putain de merde.
Déjà demain il est 1h, oui je sais. Ça fait des bruits dégueulasses en plus. Ça fait des bruits putain de dégueu. C'est pas grave. Il s'est tapé une accélération là derrière moi. Par ici. Ok, c'est par là. Non, mais putain! Mais la main qui est pas. Mais c'est pas possible ça! Mais putain, la main qui se met pas sur là où je tirais! Mais Tommy, mais oui, mais c'est de la merde! C'est de la merde, c'est tout! C'est de la merde! Racu! J'y pense, j'avais raison pour le chien. Oui, pour le coup, oui. C'est de la merde! Mais lol. Non, mais putain! Oh, c'est chiant, putain, des erreurs comme ça, là. Allez, on est reparti. Oh, la chaise d'enculé, là. Voilà, j'ai mis la lumière dans ton... Ah, y'a rien à s'entraîner, regardez. Oui, run, run, je sais, run. Là, la sortie, je la vois, elle est juste là. Ouvrez, 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 ok. On rigole pas. Pas comme des enflures, hein. Ça va que je connais un peu plus ce parcours. En fait, de toute façon, ce jeu, c'est du die and retry. Hein. C'est comme les premiers Poppy Playtime, c'était tout pareil. C'était vraiment du die and retry. Tu connais le parcours par cœur après et tu le fais tout seul. Là. Putain, les bruits sont excellents. Ils sont trop trop bien faits. Je vais reprendre à gauche, c'était pas mal. Joy, ça s'appelle. Allez, deux. Putain, j'étais mort juste avant, quoi. Avant la fin, hein. Nique sa mère, quoi. Oh. Ah bah tiens. Ah. Je crois que je l'ai cassé. Je l'ai cassé avec la lumière. Ouais. Ok. Go, go, as far as you can. Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Bon, c'est bien ce que je disais, on entend la mort des persos en fait. Littéralement. Ce qu'on entend dans les trucs là, c'est la mort des persos. Ah, on a Oli qui nous appelle. Hey, are you alright? Ok, on est revenu. No ouchies or lost body parts? I'm really glad you're okay. I don't want to lose any more friends to this place. Hey, did you see the shrine? Catnap made it. Before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. Ouais, avant il devait être comme les petits. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. Humain, so voire enfant, oui, c'est ça. Hein. Un peu. If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. Bureau du conseiller. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. C'est rassurant pour la suite tout ça, hein, les gars.